étoiles du ciel, est-ce que tu peux les compter? Il dit non, il dit c'est comme ça sera ta postérité. Donc les étoiles, en fait, les étoiles, Dieu utilise souvent la nature, Dieu utilise souvent la création pour nous exprimer un certain nombre de choses avec des vérités profondes qui nous enseignent sur des vérités qui doivent nous aider à être équilibrés. Donc une étoile est un astre éteint qui ne contient pas de lumière. Et certains même vont plus loin pour dire que les étoiles sont, en fait faites d'eau. Bon, je ne vais pas aller dans une démonstration scientifique, mais comprenez que il y a plusieurs sortes d'étoiles. Alléluia. Il y a, alors d'abord, j'aimerais d'abord juste aussi ouvrir une parenthèse pour dire que ce n'est pas tout ce qu'on voit dans le ciel qui est une étoile. Ce n'est pas tout ce qui est dans le ciel qui est une étoile. Vous savez, il y a tellement de satellites que les gens ont lancés qui brillent et souvent s'apparentent à des étoiles. OK? Et c'est ceux-là, généralement, d'autres, vous avez certainement entendu le langage, une étoile filante. Une étoile ne file pas. Dieu l'a placée dans son orbite, l'étoile reste là. Alléluia. Maintenant, je disais tantôt que l'étoile est un astre qui est éteint, donc qui n'a pas de lumière en lui-même. Mais comment se fait que l'étoile brille? L'étoile, en réalité, l'étoile reçoit sa lumière de quelque part. Dis à quelqu'un quelque part. En réalité, lorsque l'étoile brille, c'est parce qu'elle a reçu la lumière. Et une chose importante aussi à savoir, c'est que l'étoile brille en fonction de sa position. Vous allez voir qu'arrivé à un certain moment donc du mois ou des jours, vous allez voir que souvent il y a moins d'étoiles ou il n'y a pas d'étoiles ou on a l'impression qu'on ne les voit même pas. Et même dans la journée, on ne les voit pas non plus. Alléluia. Donc l'étoile brille, mais la particularité de l'étoile, c'est qu'elle brille plus fort dans la nuit. Oh oh. L'étoile brille plus fort dans la nuit. Alors, et donc, ce qui se passe, c'est quoi? L'étoile reçoit son lumière donc du soleil et transmet cela donc. Donc, l'étoile peut jamais s'enorgueillir de briller. Alléluia. Parce que l'étoile sait qu'elle reçoit sa lumière de quelque part. Le jour où la source coupe la lumière, il n'y a plus de brillance. Et c'est le même principe avec Dieu. C'est le même principe avec Dieu. Gloire au Seigneur. Nous recevons, nous brillons parce que nous recevons du Seigneur. Tu ne peux pas briller si tu n'es pas connecté à la source. Tu ne peux pas briller si tu n'es pas dans la bonne position pour recevoir de Dieu. Tu ne peux pas briller si tu n'es pas dans une position qui te permet de recevoir ce qui va te permettre d'avoir de briller. Alors, quand on parle de briller, il y a l'idée ici d'incandescence. Il y a l'idée ici d'éclat. Ah, Jésus est Seigneur. Alors voici une histoire assez intéressante que nous venons donc de lire. Il s'agit donc de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais la Bible nous raconte un fait assez intéressant. Jésus naît et dès la naissance de Jésus, il y a une étoile qui s'est levée dans le ciel. Et ceux qui étaient habitués à observer des phénomènes, alors il faut dire que l'astrologie est une science. Avant de rentrer dans une dimension mystique, il y a d'abord une science. C'est une science qui étudie comment Dieu a fait les étoiles, la lune et tout ça. Hein? Voilà. Maintenant, arrivé un moment, quand ils n'ont pas de réponse, ils deviennent mystiques. Alléluia. C'est comme ça. Quand ils n'ont pas de réponse, au lieu de s'adresser au Créateur, ils fabriquent des fables et des choses et ça devient du spiritisme. Sinon, c'est d'abord une science. OK? OK. Maintenant, la Bible dit qu'il y a des mages qui ont identifié qu'il y avait un phénomène, quelque chose de nouveau qui s'était produit. Alors, en tant que scientifiques, ils vont commencer à pousser, faire des investigations.
Et leurs investigations vont donc leur permettre d'arriver à la conclusion que celui qui vient de naître n'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc suivre le mouvement dans le sens donc des recherches. Ils vont faire de l'investigation. L'investigation va les amener à Jérusalem. Alléluia. Et arrivés à Jérusalem, ils vont annoncer que il y a un roi qui est né. En gros, ils savaient que c'était une personnalité, mais ils savaient que vraiment c'était une personnalité de haut rang. Alléluia. C'était pas n'importe qui. Mais ce qui est étrange, c'est que la nouvelle qu'ils ont donnée à Jérusalem va troubler toute une ville. Alléluia. D'abord parce qu'on ne naît pas roi, ça c'est un. On devient roi. On devient roi par la lignée. C'est-à-dire que tu as un enfant, si toi tu es roi, la logique veut que c'est lui, ton enfant, qui va devenir roi le jour où tu n'es plus, qui va accéder au trône. Donc lui, il est prince. Donc Hérode est surpris qu'on vienne dire qu'il y a quelque chose qui ne vient pas de s'aligner, mais qui va accéder au trône. Alléluia. Je voudrais t'annoncer que lorsque la grâce te localise, elle te requalifie et te repositionne. Et même si tu n'étais pas qualifié pour, la grâce t'introduit dedans. La raison pour laquelle donc il a été troublé, et puis toute une ville a été troublée. Parce que non seulement cela ne respecte pas donc le principe, mais on ne le connaît même pas. Et cela ne respecte pas la coutume et la tradition non plus. Alléluia. Donc on dit, mais on connaît les enfants de Hérode. Mais d'où vient qu'on dit un roi est né, et puis lui là on ne le connaît pas? Qui est-il? En réalité, celui qui élève et qui introduit dans les dimensions, c'est Dieu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que ta condition ou ton milieu ou le lieu ou l'endroit ou la famille dans lequel tu es né ne dépend pas, n'est pas une condition pour toi pour briller. Mais le fait de briller dépend de celui qui fait briller. Je suis venu te parler de celui qui fait briller. C'est lui qui est important dans l'affaire. Parce qu'il réorganise la vie comme un puzzle. Il est capable de te prendre là et de te positionner ici. Et même quand tu n'étais pas qualifié, il est celui qui est capable de te prendre pour t'introduire by fire and by force. Et son choix ne dépend même pas de l'analyse des gens. Son choix ne dépend pas des critères des hommes. Mais son choix dépend de lui-même. Ce qu'il a arrêté d'avance. La Bible dit qu'ils sont allés, toute la ville a été troublée. Et à cause de Jésus, à cause de sa naissance, il aura une grande réunion de tous les experts. Tous les experts vont se réunir pour analyser les Saintes Écritures et savoir d'où il devait naître. En gros, ils étaient en train de mettre un concile pour fabriquer le GPS, la géolocalisation du Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Et la Bible dit que ce sont des sacrificateurs. Oh. Donc, bien aimé, il y a des choses qui peuvent échapper aux sacrificateurs. Alléluia. Quand tu analyses, donc cette portion des Écritures, cette information a échappé aux sacrificateurs. Cette information a échappé aux scribes. Ils avaient l'information, mais ils ne savaient pas quand. Alléluia. Ils ne savaient pas quand et où. Oh, je voudrais te dire que ton élévation va surprendre des gens. Ceux qui avaient calculé, qui étaient en train de dire, oh bon, ça, il faut attendre dans 10 ans,
Oh, peut-être même que ça ne va jamais arriver. Peut-être même que, bon, ceux-là, la Bible nous dit que les scribes et les sacrificateurs ont été surpris par l'information. Ils seront également surpris. Alléluia. Et quand ils vont voir que la chose s'est accomplie, ils vont se réunir pour consulter. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il y a une information qui les a échappés. Oh. À ce moment donné, là, il fera trop tard. Tu es déjà positionné. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont allés jusqu'à Jérusalem et arrivés là, ils vont envoyer une indication importante du lieu et ils vont donc aller. Mais il y a une chose intéressante qui me plaît dans ce texte. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont repris le chemin, l'étoile est apparue. Ça veut dire qu'arrivé un moment, l'étoile a cessé. L'étoile a cessé. Ma prière pour toi, c'est que les gens qui te veulent, que ton étoile soit rendue invisible aux gens qui te veulent du mal. Alléluia. Les gens qui te veulent du mal, lorsqu'ils vont se mettre à conspirer, qu'on ne te voit même plus dans leur liste. Alléluia. Mais comme Dieu connaissait le cœur de ces mages, il va réapparaître l'étoile. Vous savez, l'étoile, c'est le GPS spirituel que Dieu positionne, qui permet donc d'attirer vers toi tout ce qui concourt à la réalisation, l'accomplissement de ta destinée. Ok. Si vous voulez, c'est la référence spirituelle que Dieu place dans le monde spirituel qui permet à toute chose et toute personne qui est connectée à ta destinée de t'identifier. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu rend capable même les circoncis de te reconnaître également. Alléluia. Oh, sois béni, mon ami. Alors, je suis venu ce matin te dire que Dieu est en train de convoquer tous ceux qui sont connectés à ta destinée. Alléluia. Et ce sont des choses qui vont te chercher. La Bible dit que ils sont allés chercher le Seigneur Jésus. Ces mages-là, ils ont quitté leur localité. Donc, ils étaient donc vers la Syrie, quelque chose là-bas. Hein? Ils ont quitté là-bas jusqu'en Israël pour aller le chercher. Ils ont fait un voyage international. Alléluia. Oh, je voulais dire que si ta bénédiction se trouve au Luxembourg, cela venait te trouver en France. Alléluia. Même si tu vis dans un quartier inconnu. Alléluia. Si ta bénédiction se trouve aux États-Unis, dans les confins des États-Unis, cela viendra te chercher. Alléluia. Oh, d'ailleurs, que dis-je? Cette bénédiction est en train de te chercher. Et le problème, c'est quoi? C'est que Dieu ne leur donnera pas de repos tant qu'ils ne t'ont pas trouvé. Je suis venu donner un message spirituel à quelqu'un. C'est une autre dimension. Je n'ai pas le temps vraiment de développer, mais j'essaie de survoler quelques points pour que nous puissions avoir peut-être quelques temps pour prier. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'ils vont aller et arriver à Jérusalem au lieu indiqué, là où l'enfant était. J'ai dit, là où tu seras, quand ils t'auront trouvé, c'est là que leur voyage va s'arrêter. Alléluia. C'est là qu'ils vont s'arrêter. Je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, il y a des fois, on se pose des questions sur ce qui nous arrive. On se pose des questions où on va. On se pose des questions sur comment on va faire. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'organiser les choses en ta faveur. Dieu est en train d'organiser les choses en ta faveur. Vous savez, souvent, il est... Je voudrais dire souvent, Dieu est bizarre. Permettez-moi du thème. Permettez-moi du thème. Alléluia. Joseph rêve, mais la première chose qui se présente à Joseph, c'est qu'on le jette dans un puits. Ça dit que quand Dieu a parlé, pour nous, on a l'impression que c'est tac.
Dieu a fini, donc ça s'accomplit comme ça. La première des choses, on le jette dans un puits. Vous savez, Dieu aussi m'a fait grâce de vivre comme ça une expérience. Alléluia. Pour ceux qui sont dans la maison, ça fait quand même un bout de temps. Une fois, Dieu m'a parlé ici au travail donc d'un serviteur de Dieu, pour ceux qui sont là, qui sont allés il y a longtemps. Mais dès que j'ai reçu la prophétie, première des choses, on me licencie. Première des choses, Dieu t'annonce qu'il va te bénir. Première des choses qui t'arrivent, on te vide de ton boulot. Pas que tu es mauvais ou tu as fait quoi que ce soit. Tu as bien fait ton boulot, mais on te vire. Mais le temps viendra un jour où je viendrai ici vous raconter toute l'histoire, qu'en réalité c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Souvent, quand les choses arrivent dans la douleur ou la difficulté ou dans l'émotion de ce qu'on vit, c'est pas évident. Mais un jour viendra où tu diras, Dieu était derrière ces choses. Dieu était derrière ces choses. Rassurons-nous de ne pas pécher, demeurons dans la sanctification, marchons dans les voies du Seigneur. Quand tu vis ainsi, tout ce qui t'arrive fait partie de toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et pourquoi Dieu veut que nous prions? Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Il y a des ténèbres partout. Les ténèbres couvrent la surface de la terre. Et Dieu veut que nous prions parce que c'est nous qui devons donner du sens à la vie. C'est pourquoi il dit que nous sommes donc la lumière du monde et le sel de la terre. Et si le sel perd de sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc Dieu veut que tu donnes du goût à la vie, à tous ceux qui sont autour de toi. Dieu veut que tu montres à quoi ressemble cette vie-là. Alléluia. Dieu n'a pas de problème avec le fait que tu brilles. Bien au contraire, il veut que tu brilles. Parce que quand tu brilles, cela est la gloire de son nom. Quand tu brilles, cela passe un message. Le message veut simplement dire que tu te laisses, en fait, tu te laisses être instrument de Dieu. Parce que le fait de briller, j'ai dit quoi? Une étoile quoi? C'est un as éteint qui laisse passer au travers de lui ce qu'il reçoit. Bon, ok, tu n'as pas compris. Donc, parce que tu reçois de Dieu, les gens vont voir la lumière. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis quoi? La lumière du monde. Donc, quand Jésus brille, il laisse quoi? Quand Jésus est en toi qui brille, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu brilles. Parce que tu es comme un instrument à la gloire de son nom. C'est comme un écran. Alléluia. Au travers de toi, on voit Christ qui brille. Si je devais reformuler ce thème, j'allais dire, il faut que Christ brille en toi. Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui brille en nous. Alléluia. C'est Jésus qui brille en nous. Et nous devons briller, c'est impératif. Nous devons briller. Le temps nous manquerait donc d'aborder tous les aspects de comment briller, qu'est-ce qui peut empêcher de briller, qu'est-ce qui éteint. Vous savez, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Oh, l'esprit est comme un feu, comme quand le feu brûle, il brille. Donc l'esprit en... Ah, alléluia. Si... Alors... La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Voyez? Et il dit que nous sommes devenus une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Donc la création dont Dieu parle ici, c'est-à-dire, c'est une création qui laisse Christ briller au travers d'elle. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et on devient une autre espèce, en fait.
C'est pourquoi, regardez, dans 1 Pierre 2, je crois, verset 9, il dit, nous sommes quoi? Une race élue. Nous sommes quoi? Une race élue. Une race, c'est une sorte d'espèce qui ensemble ont un trait de caractère ou des éléments qui les permettent de les reconnaître. Alléluia. Et ce qui permet de nous identifier en tant qu'enfants de Dieu, en tant que race élue, il y a non seulement les fruits, alléluia, selon Galates 5, 22, mais aussi il y a le fait que le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit en nous est considéré comme du feu. C'est pourquoi il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ah, mais dans ce même passage de 1 Pierre 2 verset 9, il y a quelque chose moi qui est assez. Jésus dit, nous sommes un sacerdoce royal. Or quand on parle de sacerdoce royal, on parle de quoi? On parle de sacrificature. On parle de quoi? On parle d'être sacrificateur. Or là encore, il y a une erreur. Mais il y a une erreur que Jésus a corrigée. Alléluia. Parce qu'on ne devient pas sacrificateur. On est sacrificateur. On est dans une lignée, dans la famille. Donc parce que dans la famille est une famille de Lévites, eux, ils vont devenir, tous les autres qui vont venir légitimement doivent devenir Lévites. Maintenant, toi et moi. Moi, je n'ai jamais eu de sacrificateur dans ma famille. Mais Jésus vient et nous introduit. Alors, le fait d'entrer dans cette dimension de la sacrificature est très importante. Parce que le sacrificateur avait le droit d'entrer une seule fois l'année pour aller apporter des sacrifices pour le péché de son peuple, de sa famille et de lui-même. Mais quand Jésus est mort, il a inauguré à la croix une nouvelle dispensation. Il a déchiré le voile. Donc les choses qui étaient réservées à une seule personne deviennent exposées afin que tous puissions avoir accès par le sacrifice de Jésus. Donc en réalité, toi et moi, chacun est sacrificateur dans sa famille. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es capable d'entrer dans la présence de Dieu pour offrir les sacrifices pour ta famille. Oh oh. On ne peut entrer dans la présence de Dieu que si on est sacrificateur. Tous les autres restaient dans le pavis, le lieu saint là-bas, mais pas le lieu très saint. Alléluia. Vous voyez? Oh, mais vous savez que c'est pourquoi Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Afin que nous soyons capables d'entrer dans sa présence, afin d'offrir pour nous, pour nos familles, pour nos peuples, et ainsi de suite. Gloire à Dieu. Et vous allez remarquer que tous ceux qui ont accédé à la présence de Dieu ont été des sacrificateurs. Tous. Élie a été sacrificateur, le prophète Élie. Vous vous souvenez qu'avec les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un sacrifice. Et chose extraordinaire, Dieu a agréé son sacrifice en faisant descendre le feu. Mais en réalité, Élie était prophète. Il n'avait pas le ministère de sacrificateur. Mais Dieu l'a introduit dans cette dimension de sacrificateur. Alléluia. Pareil pour Moïse. Dieu l'a introduit dans une dimension de sacrificateur. Lorsque Dieu l'a demandé de sacrifier Isaac, Dieu l'introduisait dans une dimension de sacrificature. Et bien plus, quand Dieu a remplacé donc Isaac, vous allez voir qu'il est allé offrir donc l'animal que Dieu a offert. Alléluia. Il passait donc de quoi? De la dimension de prophète à sacrificateur. Ainsi, voilà pourquoi le jour de la transfiguration,
ils ont été capables d'entrer dans le lieu saint avec Jésus-Christ. Ces deux personnes que je viens de citer. Vous les avez vues dans la dimension de la gloire? Est-ce que vous les avez vues? Alléluia. Dans à la montagne de la transfiguration, ça a été ces deux qui ont été capables d'entrer parce qu'ils avaient la dimension de la sacrificature. Alléluia. Parce qu'il n'y a que la dimension de la sacrificature qui te permet d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Ah, plutôt, excusez-moi, je parlais d'Abraham. Abraham était sacrificateur, autant pour moi. Merci Saint-Esprit. Mais aussi Moïse a été aussi sacrificateur. Vous allez voir tous ces anciens qui sont entrés, qui ont brillé à une dimension extraordinaire, sont rentrés dans une dimension de sacrificature. Donc quand on parle de sacrificature, faut, en fait, cela parle donc d'avoir une vie de sacrifice pour le Seigneur. Alléluia. Une vie de sacrifice pour le Seigneur. Une vie de sacrifice pour le Seigneur. Te donner à Dieu. Te donner à Dieu. Le temps manquerait pour que je parle un peu de cette dimension, mais cela donc requiert plusieurs exigences. Vous allez voir que sur le vêtement, le garnement que le sacrificateur portait, il y avait 12 pierres qui symbolisaient chaque tribu. Ça veut dire que si tu es sacrificateur, tu dois porter aussi les autres. Alléluia. Il y a une dimension d'intercession. Il y a une dimension, de fléchir genoux pour les autres, pour sa famille, pour l'église. Mais Dieu veut que tu brilles. C'est impératif. Quelle est la dimension que Dieu veut que tu atteignes? Tu atteignes la dimension où tu ressembles à Christ. Vous savez, on peut être sur cette terre et ressembler à Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Lorsqu'on sera au ciel, on sera dans la dimension de gloire suprême. Mais sur cette terre, nous devons avoir la dimension de gloire terrestre qu'il a eue. Parce qu'il vit en nous. Alléluia. Parce qu'il vit en nous. Alors, je voudrais dire deux, trois choses et nous allons donc prier le Seigneur. Première chose que nous devons savoir, c'est que pour briller, il faut être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et non seulement être dans la présence de Dieu, mais être réceptif à Dieu. Deuxième des choses, il faut accepter donc de suivre le mouvement de Dieu. Parce que Dieu n'est pas statique, il bouge. Il est dynamique, il bouge. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire qu'il est arrivé un moment, il arrive à la porte de ton cœur, il frappe. Il veut souper avec toi. Mais il faut que tu sois attentif pour savoir à chaque fois qu'il frappe. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Genèse, vous allez voir que Dieu venait visiter Adam régulièrement. Donc Dieu vient visiter l'homme régulièrement. Sa présence reste avec nous, mais lui, Dieu, en tant que personne, vient nous visiter. Alléluia. Ok. Il ne faut pas confondre la présence de Dieu et Dieu lui-même. Quoique sa présence va avec sa personne. Alléluia. Ok. Sa présence va avec sa parole. Alléluia. Quand il parle, sa présence accompagne sa parole. Et c'est sa présence qu'on appelle donc le Saint-Esprit. Mais il est Dieu. Alléluia. Son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Et parce que son trône est élevé au-dessus de tous les trônes, il est capable donc de contrôler toutes choses. C'est pourquoi il est capable de te retirer son esprit. Alléluia. Quand on dit retirer l'esprit, c'est que Dieu a enlevé en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est clair? Alors, ce matin, Dieu voudrait que tu comprennes une chose.
c'est que si tu t'es loin de sa présence, tu dois savoir que ton étoile a commencé à ternir. Ou si tu étais loin de Dieu, l'éclat que tu avais, parce que tu n'es pas proche de lui, tu ne reçois plus suffisamment la force nécessaire pour briller. Alléluia. Et Dieu voudrait appeler une personne à revenir, à se rapprocher de lui. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu brilles. Plus tu t'approches, plus tu gagnes en éclat. Alléluia. Plus tu gagnes en force et en éclat. Gloire à Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous attend. Tu pensais prier une heure. Pousse un peu encore. Alléluia. Tu pensais faire trop comme ça pour ce que tu fais actuellement. Essaie de pousser un peu encore. Vous voyez, chaque fois que tu fais un pas, tu avances plus vers le Seigneur. Plus vers le Seigneur. Et le dernier point par lequel j'achève donc mes propos, je voudrais vous dire que la lumière attire toujours. Alléluia. La lumière, plus tu brilles, sache que tu vas attirer toujours. Mais dans ce que tu attires, il y a beaucoup de choses. Alléluia. On n'aura pas le temps de... Vous savez, plus il y a la lumière, vous allez voir des insectes, vous allez voir de belles choses, vous allez voir plein de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as l'impression que plus tu pries et les problèmes augmentent. Alléluia. En réalité, c'est parce que tu brilles. Et tous ceux qui viennent à toi que tu as l'impression de voir comme problème, c'est pour que tu les résolves. Alléluia. Oh oh. C'est pour que tu résous ces problèmes par la prière. Tu les affrontes. Que les problèmes ou les challenges que tu rencontres ne te fassent pas fuir. Je voudrais encourager une personne. Ah, je prie le Seigneur, pourquoi? Mais chaque fois, on a l'impression que plus tu pries, on a l'impression que c'est là qu'on s'enfonce. Non. Dieu est en train d'envoyer les vraies sources de problèmes pour que tu puisses les traiter. Alléluia. 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 Dieu veut que tu pries. Que tu pries dans ta plénitude. Dans la plénitude. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit avec nous et qu'au sorti de ce jour, au sorti de ce jour, que cela te rapproche davantage du Seigneur. Tu dois savoir que chaque fois que tu feras un pas de plus, tu es en train de gagner un éclat et que tu connaîtras la brillance davantage. Alléluia. Je voudrais lancer l'appel. Si avec quelqu'un, tu sentais que tu as commencé à t'éloigner du Seigneur, tu as commencé à perdre en éclat, tu sens que les choses ne vont plus comme cela était, je voudrais t'inviter à te reconnecter, à te rapprocher encore de Dieu. Il est encore possible. Dieu ne t'a pas rejeté. Bien au contraire, il te tend la main. Il y a encore la possibilité que tu aies de l'éclat, que tu puisses briller. Et croyez-moi, lorsque tu brilles, cela a un impact dans tout ce que tu fais. Et ne vous y trompez pas, les hommes remarquent. Les démons aussi remarquent. Je voudrais dire à une personne, lève-toi à nouveau. Dieu veut que tu te lèves à nouveau. Dieu veut que tu pries. Ne baisse pas les bras. Que rien ne puisse te faire rebrousser chemin. Est-ce que tu peux simplement élever la voix et tu peux parler à ton Dieu? Et tu peux dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, voici, j'ai perdu un peu d'éclat. Mais je voudrais également inviter une personne à plus d'humilité. Parce que c'est Dieu qui brille au travers de toi. Ce n'est ni par ta propre force. Et si tu brilles, prends soin de donner gloire à Dieu en toutes choses. Je voudrais que tu parles à Dieu ce matin.
Seigneur, merci. Je voudrais qu'une personne se rapproche de Dieu ce matin. Tu avais une vie d'intercession, tu intercédais pour les autres et tu avais de l'éclat. Mais depuis un moment, je parle à une personne, ton intensité a baissé. Tu ne le fais plus. Et regarde, tu commences à perdre en éclat. Mais Dieu veut te reconnecter. Dieu veut que tu reviennes encore à lui. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Dieu veut que tu reviennes dans sa présence, car c'est là que tu vas encore prier. Et quand tu pries, tu es facilement localisable. Et quand tu pries, tu as de l'impact. Et quand tu pries, d'être anonyme. Je refuse d'être anonyme. Je refuse de passer incognito. Je veux prier. Que cela soit ta prière. Prier n'a rien à voir avec l'âge. Abraham a prié dans sa vieillesse. Prier n'a rien à voir avec ta condition actuelle. Mais la clé pour prier, c'est de se rapprocher de celui qui fait prier. Et je t'invite ce matin à te rapprocher de lui. Ce matin à te reconnecter, parce que Dieu veut se manifester et au travers de toi. Pour que ta vie professionnelle ait de l'éclat, il faut que tu sois dans sa présence. Pour que tous les aspects de ta vie brillent, être dans sa présence. Il faut se rapprocher de lui, car plus tu te rapproches de lui, plus tu vas prier et plus tu vas refléter sa gloire. Il n'y a pas de haute voix, approche, approche, approche.
Sharabayabla. Commence à prier. Michel, Yann, Théo. Théo. Voilà, Sharabayabla. Pasteur Ted. Vous devez prendre des résolutions. Que Dieu vous donne une discipline spirituelle. Rien ce que sont de moi ici. Dieu est en train de rallumer la flamme. La flamme. Il y en a, c'est des problèmes qui nous ont submergés. Il y a tellement de difficultés, tellement de problèmes, tellement de choses qui arrivent. La grâce de Dieu sur toi. Sharabarabaraba. L'ennemi cherche à te décourager. Mais Dieu ce matin te fortifie. Tu es sa fille et il t'aime. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Prends de l'échec. Seigneur, merci. Au nom de Jésus.
lumière arrive. Les ténèbres couvrent les nations. Et sur toi, sa gloire arrive. C'est par toi, c'est par toi. Si tu sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et l'Esprit de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime. Il est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il te voit et il sait. Comme David, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Sois rassuré, mon frère. Sera toujours à ton côté. Donne-toi tout entier. Serre-le avec un cœur dévoué. Marche davantage dans la lumière. Je vois les ténèbres qui sont en train de se dissiper par la puissance de Dieu. Oumanakasa. Il y a une onction sur toi. Une onction de séparation. Les attaques. Forces maléfiques orientées contre toi sont nulles et sans effet. Fight Akayama Sekaya Baba Baba. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu remporteras les œuvres de l'éternel. Dieu va amener la stabilité.
Jésus. Ici le cœur des hommes et des femmes. Prends ta chaleur. Prends un peu d'âge dans ton cœur. Ainsi, Adonai Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. À la chaleur. Ceci, je sens une onction de Dieu. Écoutez, aujourd'hui on va pas couper, on va enchaîner avec le culte. Alors tu vas faire ceci: si tu as mené ton offrande, d'accord, si tu as mené ton offrande discrètement, viens poser là. Et si tu sens que ton heure, tu vas partir après le culte, ok, vas-y seulement, ok, librement. Mais que cette atmosphère ne soit pas stoppée. On ne le fait pas, on va le faire aujourd'hui. Ok? Ton amour, ton amour. Il y a des personnes qui ont besoin de restauration dans le cœur. Il y a des personnes qui ont besoin de guérisons profondes. Si tu veux donner par carte bleue, pareil. Les bien-aimés sont là avec les terminaux. Librement, si tu sens que ton heure est venue, hein, n'hésite pas. Okay? Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Qui se sent blessé dans l'âme. Tu as été peut-être déçu. Tu as subi des coups. Il y a eu des situations, des réalités qui sont arrivées, peut-être cette semaine, peut-être au long de ce mois, de cette année, mais qui te bloquent. Tu sens en toi comme un frein qui t'empêche de pouvoir avancer. Je voudrais prier pour toi. Arrive.